tous les jours, dans la cuisine d'Anne-Sophie, nous sommes amenés à réfléchir à des accords, mais et vin, de trouver le vin qui va le mieux s'accorder à un plat bien spécifique, en fonction d'un terroir, en fonction de parfums particuliers. Donc aujourd'hui, c'est vrai que au même titre que la cuisine, le vin occupe une place prépondérante dans la gastronomie française. La découverte du vin, pour moi, enfin, elle est très simple. C'est en ayant la chance d'entrer dans la famille Pic, où véritablement mon beau-père, avant sa disparition, a commencé à m'initier à quelques très jolis flacons de la région. J'avais vraiment pas de formation, j'avais pas de culture du vin. Et très vite, après, j'ai beaucoup échangé avec les sommeliers de la maison également. Et je me suis intéressé, j'ai fait beaucoup de dégustations à une époque pour essayer de forger mon palais aussi à la dégustation, puisqu'il était tout neuf. En plus, déguster et connaître l'histoire, rencontrer les vignerons, le goût du vin est différent très clairement. Vous êtes dans un vignoble avec des vignerons qui vous racontent leur histoire, pourquoi ils font le vin de cette façon-là. C'est vrai que de comprendre comment le vin est fait, ça apporte un complément à l'appréciation du vin qui est primordial aujourd'hui. Et c'est ce qui a contribué à me donner cet intérêt pour le vin, et surtout à chercher à le défendre et à défendre le terroir, notre terroir, la vallée du Rhône. On est devenu un petit peu vigneron. Nous avons réhabilité le vignoble de l'Auberge du Pin, donc l'auberge historique de la famille Pic. Nous avons créé une société avec Michel Chapoutier pour redonner vie à ce terroir. C'est passionnant parce que voilà, c'est le travail de la terre, c'est le travail des hommes, et puis surtout c'est un produit qui évolue dans le temps. C'est une fierté de produire du vin. On crée véritablement quelque chose, et c'est une satisfaction extraordinaire de servir ce vin sur table par la suite, de voir la réaction que peuvent avoir les gens, et surtout de voir, nous, l'histoire qu'on leur raconte. J'ai vraiment pas le sentiment de produire quelque chose qui va nuire à la santé des gens. Bien au contraire, ça doit apporter du plaisir, et puis surtout, c'est un complément indispensable à la cuisine d'un grand chef. Ça ne peut pas devenir un produit interdit, ça n'a pas de sens. Je suis surpris, déçu, choqué de voir cette cabale contre le vin. Plutôt que d'expliquer le vin, on est en train d'en faire un produit interdit. J'ai du mal à comprendre quand derrière on sait le travail des vignerons, on sait l'amour que les vignerons ont pour leur terroir et pour leur travail. Jeter tout ça comme ça à la poubelle, l'interdire, ne plus pouvoir communiquer sur le vin, c'est comme si demain on ne pouvait plus parler de la cuisine. On ne pouvait plus expliquer un plat, on ne pouvait plus utiliser certains produits. Je vois pas l'intérêt. 98% des gens apprécient un plat avec un verre de vin. Ça va être difficile demain de parler de la cuisine en éludant complètement le complément indispensable qu'apporte le vin à la cuisine d'un grand chef.